à tous nos concernant l'équipe de France. Nous regrettons le refus de l'hôtel, alors que certains ont pointé du doigt le manque de confort de l'hôtel bruyant et peu moderne, où il logeait à Bucarest. Il a déclaré: arrêtons de parler de l'hôtel, on n'a pas perdu. À cause de l'hôtel, c'est le centre d'entraînement qui n'était pas bien. Je veux bien le reconnaître, même si on est à se dire que si on avait changé d'hôtel, on n'aurait pas pris les deux buts face à la Suisse. On a fait les trois premiers matchs dans de bonnes conditions, et le quatrième, on l'a perdu. Parce que c'est le foot, il faut parler foot, le reste n'est pas important. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que les joueurs étaient coqués dans l'hôtel, ils ne pouvaient pas sortir. De plus, on apprend qu'ils n'ont pas fait la balade prévue à la veille, le matin, de prendre l'avion de Budapest à Bucarest. Il devait aller s'aérer dans un parc à Budapest. On apprend aussi que Ramy, sans le groupe de France impacté, il a déclaré: c'est dommage d'en être arrivé là. Avec des petites jambes de famille, j'attache énormément d'importance à l'énergie de l'ambiance d'un groupe. Ce genre d'embrouille, ça impacte le groupe. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important d'avoir un bon karma. On est quand même une famille, certes, cette équipe de France a beaucoup de talent, mais le plus important, c'est le cœur. À partir du moment où tu sens des problèmes, ces petits problèmes, ça impacte sur le terrain. Qu'en pensez-vous? Pour moi, ami, Benjamin Mendy mettait l'ambiance en 2018. Ils avaient un rôle important auprès du groupe pour éviter les embrouilles. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.